à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'estime que nous vivons dans un beau pays. En effet, qu'est-ce que je vois ? Sur des fenêtres ou dans des jardins, des drapeaux ukrainiens, des drapeaux palestiniens. Mais jamais de drapeau français, ça c'est quand même bizarre. Hein ? Les gens préfèrent afficher leur soutien à des causes perdues et ils sont très contents de cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des politiciens au gouvernement qui sont formidables. Ils sont formidables parce qu'ils vous annoncent quasiment tous les jours que les impôts n'augmenteront pas. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais regarder tout ça de près. Alors, sur l'essence, le gasoil, le gaz, le fuel, l'électricité, donc surtout l'énergie qu'on consomme, toutes les taxes, je dis bien, toutes les taxes de l'État ont flambé. Donc, ce sont des impôts. Donc, pendant qu'ils vous disent « on n'augmentera pas les impôts ben », vous, vous payez plus d'impôts. Voilà la logique actuelle du système. J'aurais aussi aimé, quand un Premier ministre ou un ministre de l'économie ou même un président parle devant les journalistes et dit « on n'augmentera pas les impôts », que un journaliste, un seul, se lève et dise « mais... toutes ces taxes-là qu'on paye, ce sont des impôts. Alors, elles ont augmenté. Donc, vous avez augmenté les impôts. Eh bien, non. Nous vivons dans l'omerta, dans le silence le plus total. Il faut pas gêner Macron et mini-Macron. Ce sont des gens qui ont besoin d'être au calme pour travailler, vous comprenez ? Vous, on s'en fout. Hein, vous payez tout plus cher. Vous allez dans votre supermarché, votre ticket de caisse, il a flambé. On s'en fout. Parce que eux, ils travaillent. Voilà. Donc, on en est là. Alors, maintenant, on nous rejoue la flûte enchantée, le pipeau, là, tout ça, le fameux truc. Attention, l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. L'extrême droite en France, dans une élection à deux tours, parce que le pouvoir, c'est la présidentielle ou les législatives. Donc, ces deux élections sont à deux tours. Dans ces élections à deux tours, les partis genre Rassemblement National, Reconquête ou qui voulait, n'ont aucune chance. Parce qu'il faut faire la majorité au deuxième tour. Même si vous faites... comme elle avait fait, je me rappelle, c'était, je crois, d'ailleurs, Marion Maréchal, elle avait fait genre 49% ou 48% au régional, là. Et au deuxième tour, elle a été battue par un obscur candidat. Le principe même de ce système, c'est que la gauche en France est majoritaire. Elle tient tous les médias, ça c'est 100%. Elle tient donc le mode de pensée et l'idéologie. Et le wokisme, c'est quoi ? C'est du progressisme. Et le progressisme, c'est quoi ? C'est du marxisme, et ainsi de suite. On peut comme on veut. On peut changer les mots. On peut dire que blanc, c'est pas blanc. Noir, c'est pas noir. En attendant, on est sous été noir d'une idéologie dangereuse. Elle l'a prouvé partout. Très contraignante. Et qui n'aime pas l'individu. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, celle-là. L'idéologie dominante d'aujourd'hui n'aime pas l'individu. Le but de tout cela, c'est de détruire l'individu. C'est ça qu'ils veulent. Qu'il n'y ait plus d'individualité, qu'il n'y ait plus de gens qui puissent penser. Ils veulent que le système soit uniformisé à 100% et on sera tranquille. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que les socialistes sont créateurs de pauvres. Parce que comme les pauvres, on va les aider avec des subventions, avec des aides ceci, des aides cela. Pareil pour les migrants, les gens, ils arrivent en France, on leur donne tout. Vous avez travaillé toute votre vie, on ne vous donne rien. Mais bon, c'est logique, tout le monde a accepté ce système. Eh bien, que va-t-il se passer dans un pays comme le nôtre ? Dans quelques années, je sais, je ne peux pas vous dire l'année précisément, mais je pense que ça ne va pas être trop tard. Hein. Il ne faut pas croire que ça va être dans 20 ans. Ça non, ça va être bien avant. Moi je situerais, je vais prendre une marge, les possibilités entre 2026 et 2034. Voilà, je pense que 2026 c'est les prochaines municipales. Déjà on en aura une petite idée de ce qui se passe réellement dans le pays. Parce que les municipales c'est quand même aussi une élection à deux tours. Donc on verra bien ce qui se passe. Donc
entre 2026-2034, ça fait une plage de 8 ans, la France n'existera plus. Voilà. Vous n'y croyez pas, moi j'y crois absolument, parce que tous les faits sont là. Il se passe des choses tous les jours dans ce pays, tous les jours c'est dramatique. Je rappelle aussi, pour finir et conclure, comme on dit, que l'école qui est écroulée, parce que notre école est écroulée, il faut le savoir, au niveau déjà d'en bas, hein, des premières classes, jusqu'au niveau du bac, c'est écroulé, même après il paraît. Hein, on a vu ce qui s'est passé à Sciences Po quand même. Eh bien, dans cette école écroulée, il faut savoir qu'en 2004, il y a une commission qui était composée uniquement de professeurs, dirigée par d'ailleurs le professeur Aubin, d'où le nom de la commission Aubin, qui a enquêté dans divers collèges, lycées, écoles, qui a remis un rapport très carré au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, un certain François F. F, je crois, c'est comme Fillon, hein, qui était le ministre. Le gars, il a pris le rapport qui était vraiment très intéressant. J'ai eu la chance de le lire. Je crois que je l'ai gardé, d'ailleurs. Et le rapport, il l'a pris et il l'a rangé dans son bureau, au fond du bureau, de façon à ce qu'il ne ressorte plus jamais. Mais ce rapport, 2004, il faut le savoir, juin 2004, ce rapport était déjà alarmant sur le problème de l'entrisme islamique dans nos écoles. Voilà. Et maintenant, c'est partout, on est cuit. En plus, comme vous avez des mouvements qui sont collabos, il faut le dire, il faut appeler un chat à chat, même si on doit aller au tribunal, c'est pas grave. Donc les mouvements collabos, eux, font le jeu des migrants, de l'islamisme, et sont contre la France. Voilà, c'est tout. Et ça marche, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous dites « j'aime la France », vous êtes un gars qui est dangereux. Si vous dites « la France, c'est, je vais pas dire le gros mot, mais c'est Jean machin, là, Jean, hein », et ben là, vous êtes un gars vraiment évolué. Donc, on en est là. On est de plus en plus mal, très mal, et tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui va faire que la France est foutue. De toute façon, vous verrez, on est dans la période, hein, la pré-période, il nous reste quoi, 2 ans à tout casser, 2026-2034, ça va aller très vite. Hein. On n'aura pas le temps de faire ouf. Voilà. Allez, merci à tous, à bientôt.